Oh, ayo les amis, ayo et coucou Sonia, bienvenue, bienvenue sur la matinale. On est mardi 9 septembre, 9 septembre sortie de Splatoon 3, qu'on verra j'espère sur la pause déj. Mais pour l'instant, c'est la pire secte, le pire culte, la pire secte, comme vous voulez, du Twitch Game, puisqu'on est sur Cult of the Lamb avec des perso viewers, des PNJ, des. Surtout des gens qui font un peu ce qu'ils veulent, et puis nous qui devons aller looter au bout d'un moment. Et puis pendant qu'on n'est pas là, ils font des conneries. Hein, donc du coup, on n'y est pas trop allé. Et c'est un peu le bordel. Voilà, voilà. C'est la rentrée, Sonia. Ça y est. Eh oui, 9 septembre. Là, ça, il faut commencer à rentrer. Hein. La semaine est bien entamée. Le mois de septembre est bien entamé. En tout cas, c'est week-end ce soir, quoi qu'il arrive, Sonia. Et en attendant, bah, bienvenue à tous ceux qui sont là. Réveillez-vous bien, bon petit déj, bonne préparation pour le taf. On est au jour 33 dans le jeu. 7h40 de jeu quand même, hein. On se rend pas compte. Et premier jour de tes élèves, Sonia. Alors ça fait quoi? T'as le track? Tu les connais pas? Comment ça se passe? Tu les as vus sur photo? Alors comme d'hab, faut que je me rappelle comment on joue, etc. J'ai pas joué depuis le dernier live, ça doit faire une semaine. Et attention au son, au réglage. Voilà, Cult of the Lamb, il est un petit peu fort, donc on le baisse. Je stresse un peu, mais ça ira. Ben, sois forte. Ferme les yeux, respire un bon coup, puis ça va aller, de toute façon, comme tu dis. Bah oui. Ah oui, c'est un bug, ça. Il faut sortir, rentrer, je crois. C'est bizarre, parce qu'on a eu droit à des mises à jour. Donc, si on fait B comme ça, hop. On avait déjà eu ce bug du prisonnier. Bah, il est toujours là, c'est relou. De toute façon, on avait dit récolter, il n'y a rien à récolter. On avait dit que... on irait chercher un petit peu des ressources. À moins que c'est par là qu'il faille sortir. Bon, de toute façon, allez, go ressources. On est parti. Bonjour Monsieur Nico Danger, bonjour le chat, nous dit-il, j'espère que tu vas bien. On est sur la pire secte du moment. Et on va chercher un peu de matos, voilà, histoire de construire un peu des trucs, améliorer le camp, tout ça. On laisse un peu les adeptes livrer un peu à leur sort, j'espère qu'ils font pas trop de conneries. Alors la roulade c'est B pour taper Y et le sort c'est X si je me souviens bien. Comment ça va Nico? Comment s'annonce ce week-end? J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, sinon dites-le moi. Moi je baisse un peu mon retour. Ah oui c'est vrai qu'on a un petit strum qui nous accompagne, on a un petit démon. On a déjà quand même réussi à perdre un cœur. Magnifique. On va quand même en récupérer un demi. En tout cas, de mon côté, ça va. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc, mais Xenoblade, je l'ai fini au bout de 230 heures. J'ai fait un petit peu de post-game en début de semaine, mardi. Ouais, dans le dernier. Je crois que c'était un des derniers lives de Xeno qu'on verra. Peut-être qu'après, on fera des... Peut-être que je ferai des lives pour pousser certaines choses, faire des guides, etc. Mais en tout cas, non, je pense qu'on est bien, on est sur la fin. Il y a Splatoon 3 qui arrive aujourd'hui, ça fait plaisir. Et puis j'ai reçu une petite preview dont je peux pas encore vous parler. En jeu de rôle.
Un truc vraiment classe, qu'on verra bientôt. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Nico, j'ai fini de passer l'épreuve du dentiste. Ah, prochain rencard novembre. Bon, bah ça c'est fait déjà. Ça te laisse un peu de répit. Le week-end dans le service. Ah, et le soir en plus. Heureusement que tu as une console portable. Ça s'appelle la Switch. Je sais pas si tu la prends pour tes moments de pause. Si tu joues plutôt en bokeh. Et en parlant de Switch, je sais pas si vous avez vu, mais la... La Switch spéciale Pokémon, là, la OLED Pokémon qui va sortir en novembre, elle est quand même vachement classe. Elle a été montrée mercredi, je crois. J'ai toujours pas craqué, moi j'ai toujours la Switch de base Day One, hein, il y a presque 6 ans maintenant. Il y en a une qui m'avait fait de l'œil, c'était l'édition japonaise là de Dragon Quest, mais j'avais pas craqué déjà parce qu'en import elle valait le double, et maintenant je vous en parle même pas, maintenant que c'est passé depuis un moment l'édition. Ah, je fais n'importe quoi, il me reste un cœur. Heureusement qu'il y a des cadeaux. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin. Alors, Nico, sinon tu peux me dire si les cristaux spéciaux servent à quelque chose dans Xenoblade 3. Oui. Ramasse-en un maximum. Ils servent vraiment à quelque chose. Voilà. J'en dis pas plus si tu veux pas en savoir plus. Mais oui. Ça viendra tardivement. Mais ça fait plaisir. Donc continue de les ramasser, ouais. De toute façon, tu le vois, hein, des fois tu les ramasses, t'as un monstre unique qui pop pour t'éclater la tronche. T'es toujours dans des recoins un peu space, donc oui. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un cœur offert, c'est pour nous ça, comme d'hab. Ou envoyer rejoindre les poissons, donne une chance de recevoir un poisson lorsque vous tuez un ennemi. Non, là, il nous faut de la life. Du coup, on a un cœur ennemi. On peut pas tout casser là? Oh. Ah, tu es sans doute arrivé pas. Ouais, c'est ça, tu es. Ouais, tout à fait. Bah, ouais. Après, je sais pas si tu veux une indication ou pas, voilà. C'est pas du spoil, mais bon, ça pourrait quand même te mettre sur la voie, donc. Sans trop te mettre dessus non plus, mais. Sinon, bah, sois patient. Et tu verras. Alors, yeah, on gagne des chemins. Même si on n'a pas trop fait la déco encore, hein, parce qu'on manque de matériaux. C'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, là. De la bouffe, des graines, etc. Non, il nous faut du matériau. Ouais, elle est belle la Switch OLED là. Bah, la Switch OLED tout court. Hein. Franchement, l'écran OLED, ça claque. En plus, maintenant que j'ai mes lunettes, je vais peut-être me remettre à jouer un petit peu en nomade. Donc, voilà la bonne excuse pour se racheter une Switch, quoi. Mais bon. Ça vaut son pesant d'or quand même. Il y a tellement de jeux qui sortent. Que d'ici Noël, il va y avoir de la dépense de mon côté. Ah bah, on a bien fait de prendre ce chemin. Par contre, faut pas mourir, quoi. Je crois qu'en plus, on est au boss qu'on n'a pas battu encore. Au vrai boss. Et on arrive avec un cœur ennemi. C'est pas terrible. Ah,
Ah non, je me la suis pas payée, c'est pas un projet. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y a une Switch OLED qui sort, elle me fait de l'œil. Et là, la nouvelle Switch OLED, c'est la Pokémon. Elle est quand même pas mal belle. Allez, je tente mon chemin à droite. Non, non, j'ai plein de jeux là. Aujourd'hui, il y a Splatoon qui arrive, les amiibos de Minecraft. Je vous les montrerai si vous voulez. Enfin, les amiibos Smash Bros de Minecraft. Dans 2 semaines, il y a un nouveau jeu Square Enix, ça, Diophil Chronicle, qu'on avait testé ensemble. Un jeu de stratégie, RPG. Après, en octobre, il devrait y avoir normalement Persona 5. Royal. Après, il va y avoir Nier Automata. Entre temps, il va y avoir Mario Lapin Crétin. Etc. Etc. Non, c'est ça. C'est ça qui m'a retenu jusqu'à maintenant, Nico. Et que je suis à 99%, 8 en docké. Donc, aucun intérêt de se payer la OLED. Si ce n'est pour la collecte ou. Ou autre, mais bon, pour l'usage nomade quoi, la OLED, on est d'accord. Donc c'est avec cet argument que pour l'instant je me suis convaincu de ne pas l'acheter. Bon, ça donne un peu de cœur quand même hein, mais bon, c'est pas encore ça. Oh, c'est le bordel ici dès qu'on arrive. Heureusement qu'on a petit pote aussi, hein, parce qu'on serait déjà mort. Mais... Ok, 2 coeurs et demi, ça remonte. C'est pas évident de s'y mettre quand on fait une fois par semaine en même temps, je vous dirais. La pâte thermique pour rafraîchir les processeurs, mais pas de la Switch, on est d'accord. On parle de, tu parles de, du PC là. Il a pris chaud ton PC? Là, ça y est, les températures baissent. Ça remonte un peu la semaine pro. Regardez ce matin. C'est pour ça que je vous fais la petite news. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de news, bah, vous êtes au courant. Elisabeth II nous a quittés. Si vous allez sur Nintendo Online et que vous êtes friand des icônes pour changer votre icône de profil via le Nintendo Online, et bien cette semaine c'est ceux de Splatoon 3 qui nous sont proposés. Alors en général ça dure qu'une semaine, après ils disparaissent. Et voilà, c'est déjà pas mal pour les news de la journée, non? Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Après, il y a eu la rumeur de la rumeur. Alors ça m'a tué. La rumeur dans la rumeur. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça fait un petit moment que ça parle d'un hypothétique Nintendo Direct pour le 12 septembre. Qui serait un spécial Zelda. Mais pas que Breath of the Wild 2. Hein. Apparemment, il y aurait des grosses annonces bah de remake, comme d'hab. Hein, mais sur Switch de Zelda. Notamment Twilight Princess et Wind Waker, hein, qui sont les plus simples à amener sur la Switch, puisqu'ils ont déjà été remasterisés sur Wii U. Coucou Augustin, écoute, ça va bien. Je parlais des news de la journée, le départ dans les cieux de Elisabeth II, le fait de choper des icônes Splatoon dans le Nintendo Online, et de la rumeur dans la rumeur. Donc la rumeur dans la rumeur, c'est que voilà, ils annonçaient un hypothétique Nintendo Direct le 12 septembre, mais qui serait reporté finalement au 24 à cause des événements du décès de la reine et du deuil national un peu partout dans le monde. Donc il y a une rumeur qui dit que la rumeur, la date de la rumeur serait décalée. Bonjour Kiminodu, comment ça va?
Tu fais le petit déj pour ta tribu, ça y est, c'est reparti comme en 40. Et comment ça va donc, ceux qui viennent d'arriver, Augustin et Kimi? Je regarde Nico ce que tu m'avais mis. Ah d'accord, l'investissement à faire pour la Switch. D'accord Nico, donc en fait ça... Au bout d'un moment, la pâte thermique serait has-been et... Parce que je pense qu'il y en a de base hein, dans les consoles, dans les PC et autres, sur les pros. Donc il faudrait la renouveler quoi. Rumeur évidemment. Alors toute offrande demande rétribution. 20% de chance de gagner un cœur en tuant un ennemi. Ou alors plus de cœur bleu. Allez. Ou alors que oui, il y a aussi, tu as raison Augustin, beaucoup de fans attendent les remakes de Oracle. J'avais fait un petit sondage sur Twitter, savoir qu'est-ce qui était attendu. Donc il y a effectivement les Oracle of Season, etc., qui sont attendus. Il y a ceux qui attendent les remakes de la Wii U, donc Twilight Princess et Wind Waker. Et il y a ceux qui voudraient une nouvelle branche, tu sais, comme Spirit Track et... Et l'autre là, et puis Wind Waker, de toute façon c'était les bateaux, on va dire. Mais en fait, il y en a qui voudraient du nouveau dans le à l'ancienne, voilà. Et puis il y a aussi, il y en a d'autres. Hein. Il y a le Between World. Pourquoi on l'aurait pas sur Switch, le Between World? Il était quand même overclass, il a plu à beaucoup de gens. Et pareil, hein, il a été refait. Moi, je dis que ça passerait bien. Hein. Non? Personne n'en parle de celui-là. Peut-être qu'on se reverra dans 3 semaines et on se dira, ah ouais, Between World. Cette espèce de Zelda 3, de suite à Zelda 3 sur DS. Est-ce que c'est un choix? Tir de feu, dague maudite. Empoisonne parfois les ennemis. Un éclair aveuglant. Ok. C'était un choix. Allez, on est reparti. Ah bah ça y est, c'est le boss. Adieu les amis. Je sais pas si j'ai beaucoup de cœur. Au pire, si on meurt, on récupérera une partie de ce qu'on a looté. Et au mieux, on lui éclate sa tronche. Et vous, donc, c'est quoi exactement? Si vraiment il y a un Nintendo Direct où on serait apparemment abreuvé de Zelda. Qu'est-ce que vous voudriez? Et que dans vos rêves les plus fous. Et vous pouviez choisir. Qu'est-ce qu'on aurait comme Zelda en attendant le sur Switch, en attendant le Breath of the Wild 2? Là, je suis vraiment bête parce que j'avais pas mal de cœur là. Je suis vraiment pas bon dans les roguelites. Est-ce qu'on a du cadeau là? Qu'est-ce que ce Beans? Jamais vu. Ça fait peur. Des cadeaux. Ah, sacrifier de la vie, ouais, mais pour gagner quoi? Et je sais pas si vous avez vu sur les petits messages de gauche, il y a Emor, ce traître qui va quitter la quête, la secte demain quoi. Est-ce qu'on sacrifie de la vie? Est-ce qu'on peut se permettre? Faut aller, on est là pour s'amuser. Un cœur rouge a été sacrifié. Et donc? Cœur corrompu gagné en retour. Ah ah! Ah oui! Allez, c'est parti.
Et un remake de Minish Cap serait pas mal, ouais, je suis d'accord. En fait, moi, je pense à quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va nous dire que dans Nintendo Online, il va y avoir un nouvel émulateur, peut-être Game Boy Advance ou GameCube ou les deux. Et à partir de là, eh bien, on aurait beaucoup de Zelda à jouer puisqu'il les ressortirait sur les émules. Et du coup, ça confirmerait plus ou moins la rumeur, serait confirmée en gros, dans le sens où on serait abreuvé de Zelda. Eux, ça leur coûterait pas grand chose puisque l'émulateur existe déjà en plus. On le sait depuis des années par rapport à des hackers. Et du coup, bah ça fonctionnerait comme ça, le coup de la rumeur d'être abreuvé de Zelda dans un Nintendo Direct prochainement. Vous en pensez quoi? Salut Miku! On parle de Zelda. Miku, il a senti l'odeur du Zelda. Et le voilà. Allez, on recycle. Toujours là au bon moment, t'es trop fort Miku. J'espère que tu vas bien. La famille. La petite VIP épouse. Les jeux. Tu dis plus haut qu'à vous que je pense à être un remake de Twilight et Wind Waker. Alors c'est ce qu'on a dit, ouais, c'est le plus probable. Sûrement c'était avant que t'arrives, Kimi. C'est le plus probable et le plus facile. Mais... est-ce que ça serait une compile d'ailleurs, comme pour Mario? Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous faire une compile Zelda? Si c'est Wind Waker et Twilight. Ça se tient, non? En même temps, ils pourraient tellement facilement en vendre deux. Et puis comme ça, il y aurait les oracles, ouais, pour l'option émulateur, Augustin. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ou effectivement, comme dit Kimi, les HD qui existent déjà. On a vu que c'était plutôt simple pour eux. En tout cas, ils le font facilement, hein, de nous ramener des jeux Wii U sur la Switch. Et du coup... c'est ce qu'il y a de plus probable en fait. Puisqu'ils l'ont déjà fait. Alors 20% de chance de gagner un cœur en tuant un cœur bleu en tuant un ennemi. Permet de gagner 3 fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Nourrissez-vous de la faiblesse de vos ennemis. On va faire le cœur bleu. On reste toujours dans les cœurs aujourd'hui. Ah oui, on passe par là-haut, ok. Et voilà, j'avais raison quand on parle de Zelda. Qui c'est qu'on voit? Mister Miku! Je suis toujours en vie. C'est ce que nous dit Augustin, tu nous poses la question? Tu es toujours là. Un remake de Link to the Past et là je meurs. Ouais, j'avoue, mais juste bref. Alors ouais, parce qu'en plus on l'a sur Switch, mais merci les gars, hein, merci de l'avoir mis en anglais alors qu'il existait en français. Hein. On se croirait sur la Super NES Mini quoi. Allez go, faut se lancer dans la vie. Donc ça c'est le vrai boss de cette région. J'en ai assez de toi, jeune agneau. Cette ridicule mascarade a assez duré. Allez, concentré. Un cadence au Firule 2. Ouais, mais comme c'est pas du Nintendo pur, je sais pas. Je ne sais pas, de toute façon on va avoir un Nintendo Direct effectivement, mais qui ne nous abreuve pas spécialement de Zelda. Hein. Il y a tellement de rumeurs pour hyper les gens, qui sont finalement des fantasmes. Bon,
quand c'est le boss qu'il faut taper quand même. Ouh là 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 là. Ça va quand même qu'ils nous disent où atterrissent les belettes. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Il me reste un cœur. Lui, il a la moitié de sa life. Concentre, hein. Je suis pas à l'abri de la dernière boulette. Déjà, il m'a mis un coup de boule et l'autre il est arrivé par derrière. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça quand même? Qu'est-ce qu'on perd? Bon, ça va, on a quand même un petit peu de matos. Bon, on perd 20 ossements, hein, ça fait mal. Les Nintendo 64, on peut les mettre en français, mais pas sur SNES. Ouais, je viens de voir cette rumeur qu'on va avoir plein de Zelda. Bah, c'est une rumeur, et puis il y a la rumeur dans la rumeur qui dit que bah, finalement, c'était la rumeur, c'était pour le 12 septembre. Et du coup, maintenant, ça serait reporté au 24. Tu perds beaucoup de fois quand tu meurs, Kabou. Bah oui, on le voit sur la secte après. Hein. On voit la motivation des gens, les gens qui se barrent. Mais c'est pas grave, on joue tranquillou, on joue une fois par semaine, donc. Je joue pas sans vous en fait, du coup je perds mon entraînement à chaque fois. On avance quand même, voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu le game over, tout le monde se barre de la secte et tout ça. Tout le monde dit qu'ils vont... Bah, en fait, tout vient de cette rumeur... Miku, donc en fait tout le monde dit mais personne n'en sait rien quoi. Bon, ils ont un petit peu faim la foi, c'est pas trop ça hein. Alors Nualan, interagir, on peut lui offrir un cadeau, on peut lui offrir un cadeau, collier de fleurs. Bah, je sais pas en fait, Kimi, si vraiment tu fais de la merde et que ta secte elle vaut plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ah, Gunther, il est revenu de sa mission. J'ai réussi ma mission, a été un succès. Acceptez mes offrandes. J'ai réussi à trouver 36 bois durant ma mission. Ah, c'est un bon ce Gunther. Guide, notre base est assez austère, nous avons besoin de plus de beauté. Construisons de jolies décorations en votre honneur. Oui, on va fabriquer des décorations, tout à fait. Poste de mission, ok. Alors, invoquer un démon. Oui, on va déjà... Hop. On va déjà s'occuper de ça. Sermon, rituel, doctrine. On n'avait pas un rituel à faire. On devait pas tuer Kimi. Permet d'épouser un de vos adeptes. Rituel sacrificiel. Ah ouais, c'était un objet, mais qui avait disparu après, je crois. De toute façon, il reste plus grand monde. Non, on va laisser tomber. On va faire un petit sermon déjà. Ouais, du coup, Kimi, je sais pas s'il peut y avoir un vrai game over dans le jeu, mais...
Et un rituel feu de joie. Ouais, tu penses? Allez, je te fais confiance. Hein. Tu l'as fini le jeu du coup? Allume-moi un feu de joie et dansons ensemble toute la nuit. C'est parti, à la demande de Kimi no Doo, nous faisons un rituel feu de joie. Et je t'avoue que j'y vais vraiment sans prise de tête là, comme tu peux le voir. Sermon c'est fait, ok, bon bah allez. Hein. Fabriquer 3 décorations. Et déco, c'est là, bah justement, on avait eu du chemin là. Est-ce que ça compte? Ouais, ça compte à mon avis. Alors ça c'est ouais, solide et empreinte de nostalgie. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis du bois là. Non, on peut mettre de la pierre autour. Bon, moi je veux aller là, là entre les deux. Voilà. De l'autre côté aussi. Alors ça va compter pour une déco, c'est ça? Voilà. Et puis même un peu là, tiens, ça fait un petit peu. On va la faire un peu comme les routes dans Minecraft là, pour mélanger d'un peu tous les matériaux. Un peu ruine quoi. Et puis voilà, comme ça, hop, supprimer, placer construction, ok. Voilà, on aurait pu en mettre là un peu. Fabriquer des décorations, bon, il faut les fabriquer apparemment. Pour la quête, il faut vraiment construire quelque chose, le sol ne compte pas. C'est ce qu'on vient de voir, Kimi. Qu'est-ce que je vais leur mettre, des pierres comme ça? Alors, il faut savoir ce que j'ai quand même en ressources. Voilà du bois. Elles sont où mes ressources? Modifier les constructions. Donc déco. On va mettre un petit peu des lampadaires. Par ici. Ah, parce qu'il n'y en a pas trop dans le coin vers le cimetière, il n'y en a pas. Hop. Et pour nos punis. Ils sont là nos punis, il va falloir s'en occuper aussi. Alors est-ce que ça compte? On va voir. Oh ils aident, c'est super. Yeah. Gunther, il déboîte Gunther. Est mort, alors est mort, est mort, est mort, il faut le discipliner, comme d'habitude. Le tuer non, manger non. Bon bah c'est bon. Alors est-ce qu'on pourrait pas leur faire au niveau de la bouffe? Ils sont pas tip top mais ça va quand même. Alors faire un petit peu de bouffe, plat de baie. Ça c'est quoi? Plat d'herbe, plat de chair d'adepte, non pas vraiment. Et un plat d'herbe, allez hop. On a deux qui ont la dalle. Hop. Et hop. Et ouais, il faut recruter plein d'adeptes. Ouais, je sais que c'est le but. Il n'y a personne qui vient. D'ailleurs, c'était pas la mission de Gunther à la base? Ah non, c'est bois ou viande ou d'accord, ouais. Non, pas pour l'instant alors. Alors, discipliner. Sur la fin, t'en avais plus de 20, bah ouais, mais moi, t'as vu, c'est un peu la misère. Hein. C'est un petit peu la misère. Gunther travailler.
On va le faire prier. Lui, je sais pas s'il voudra. Va manger. Il y a rien à manger. Ouais, il y a rien à manger, ouais. Et on peut pas faire évoluer un petit peu la ferme là. Je dois préparer mes filles à toutes ou à ce midi. Au Kikimi, midi, normalement, si Chronopost est sur le steak, on sera sur Splatoon 3. J'attends la cartouche avec impatience. Alors, le poste fermier. Non, je vais pas le modifier. Qu'est-ce que je pourrais construire? Là, il manque du matos. Ah oui, les abris, pour qu'ils soient un petit peu plus contents. Là, je sais pas si on pourra... Non, parce qu'il faut d'abord réparer le lit, je pense. Ah, ils font tous la gueule dans la secte. Hein. Je dois y aller, j'ai pas fini d'accrocher mes affichages avant l'arrivée des élèves. Des bisous Kimi, des bisous Sonia, et puis à bientôt. Ce week-end, je pense que je vais pas trop streamer. On va laisser la place à Zerator et ses potes. Hein. Il y a le event. Donc voilà. Et puis ça va me permettre aussi de finaliser le... Je vais écrire le test de Xeno 3. Et puis je suis sur un autre jeu que je vous présenterai bientôt. Donc certainement, peut-être pas de stream ce week-end. Ça me permettra un petit peu d'aller voir les autres streamer. Un coucou furtif, je peux pas être là ce matin, pas de soucis Gunther. En tout cas, tu es très utile à la secte et au culte, puisqu'on t'avait donné la mission d'aller chercher des matériaux et que tu es revenu avec ton sac à dos rempli de bois. Et ça, c'était vraiment cool. On t'en remercie chaleureusement. Assigné et inoccupé. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de lit encore ? Gunther éventuellement, allez hop. Mais on peut lui assigner tous les lits en fait si on veut. Des morts peut-être comme il a la rage tout le temps. Pour vous servir, nous dit Gunther. En tout cas, bonne journée à toi, Gunther. J'espère que ça sera pas trop violent au taf. Puis il y a le week-end qui arrive. Peut-être mettre des champis aussi, hop. Raffinerie, ouais, il y a encore pas mal de coupes à offrande. Une inspiration divine. Ok. Ah ben faut aller farmer pour aller choper des gens. Hein. Allez Mia, ça nous a bien servi le Orcus. J'ai pas vu de caca ramassé. Bon, il y en a qui traînent quand même dans les fourrés. Hein. Nualan. Une bénédiction. Gunther. Une bénédiction. Ah, il en avait besoin.
Est-ce qu'on envoie Gunther en mission? Allez, va nous chercher de la viande, Gunther. S'il te plaît. Il est chaud et mort, il est chaud. Hein. Le rebelle, la foi du culte est trop faible. Si notre kin ne me discipline pas, je m'enfuirai. Il est mort. Alors, je sais qu'on peut aller aussi dans des endroits intéressants. La cabane solitaire, les champis. Qu'est-ce qu'on a là? Le chemin du pèlerin. Il y avait le phare aussi, mais c'est le chemin du pèlerin. C'est pas ici si on peut aller échanger des trucs ou si on en a pas, j'en sais rien. La grotte au sport. Ah, salle de forêt. Non, non, non. Donc ça, c'est de la déco, ok. Des cartes. Augmente les dégâts infligés de 30% durant la nuit. C'est pas mal, ça. Multiplie la vitesse de déplacement. On n'a pas assez de thunes, de toute façon. Sozo te fait confiance, il ne fait confiance qu'à toi. Tous les autres veulent la peau de Sozo, mais pas toi. Sozo t'aime, Sozo a besoin de toi. Quoi? Est-ce que tu es en train d'espionner Sozo? Disparais, reviens quand tu auras des champignons. Ok. Cassons-nous de là. Ah bah du coup... On va refaire une petite run. Essayer de choper un adepte sur le chemin, ça serait pas mal. Ah, accepter le cadeau de Gunther. Ah, je sais pas. Allez. Il est où le père Gunther? Il dort? Ah, il doit dormir. Allez, du coup on part en balade. Toujours dans les bois sombres. Bon, Miku, ça joue à quoi en ce moment? Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, j'y pensais il y a un ou deux jours, on voit plus du tout le Quack, je sais pas ce qu'il devient. Je sais que l'activité professionnelle avait repris à un moment donné. Est-ce que toi, tu as des nouvelles de ton côté de Mister le Quack? Parce qu'il stream plus, mais je le vois plus non plus sur le stream. Du coup, je sais pas, j'espère que tout va bien. Et avant, il passait quand même faire un petit coucou ou quoi, mais là, plus de news. Et du coup, comme il stream plus, bah, on peut plus aller prendre de news non plus. Bon, je sais pas si toi t'en as. Joli parterre de camélia. Il a abandonné Minecraft? Comment ça il a abandonné? Non, il fait une pause, c'est pas possible. On est d'accord que le Quack n'abandonnera jamais Minecraft. Ouais, il joue à quoi? Un petit jeu genre Green Hill? Non, je l'avais vu jouer à un truc. Ah oui, puis après, du coup. Pas d'après certains? Et quelque chose qu'il a gavé dans Minecraft ou quoi? Non, c'est pas possible. Pas après toutes ces années. Ouais, du coup, comme il joue sur PC, il a, bah, il a pas forcément le matos pour streamer. C'est ça que tu veux dire, Nico? C'est pour ça qu'on le voit pas, parce qu'il joue sur PC.
Ouais, je pense. Enfin, après, je sais pas. Il s'est peut-être. Du coup, tu me dis d'après certains. Bon, après, je vais pas rentrer dans les micmacs. Peut-être qu'il a eu des embrouilles avec je ne sais qui, ou tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui l'a gavé. Mais de là, arrêter complètement. C'était tellement un Okage de Minecraft. Vers le quoi que si tu passes sur les VOD et puis que tu vois cette conversation, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou. Hein, à l'occasion. Ça me fera super plaisir. Ouais, c'est ça, pour streamer, il faut quand même un petit peu de matos hein, quand t'as un PC. Un boîtier ou une carte, tu vois, mais. Ou alors quand même un petit PC qui tient la route. Ah oui, voilà, tu vois, donc je pense que c'est ça, Nico. Je pense que c'est surtout. Tu connais le Quack, hein, il est. Il est à 100%. Hein. Que ce soit dans le jeu ou dans les relations, etc. S'il y a un truc qui l'a gavé, bah, ça a dû le gaver puissance 100%. Enfin, si tu me comprends, mais. Moi, j'essaie de lui faire un petit coucou sur Discord, alors s'il va le regarder. En tout cas, le Quack, si tu passes par là, on pense à toi. Stonehenge. Et on a perdu qu'un cœur pour l'instant, ça fait plaisir. Allez, on va chercher un adepte hein, sur les bons conseils de Kimi. Ah, il me tarde Splatoon là pour faire le mode story. Et puis après, bah, retrouver l'ambiance des fests et du online et puis les nouvelles armes et puis surtout toutes les mises à jour qu'ils vont faire là pendant 2 ans, les mises à jour gratos. Il y aura du DLC payant aussi, ils ont prévu hein, quand ils ont présenté le jeu. Il y aura du gratuit et du payant. Ah oui, et pour le délire, on en a jamais parlé, mais j'ai fait une petite boutique sur Stream Elements. Faut que j'améliore hein, pour l'instant, n'achetez rien. Mais si vous voulez aller voir, ça peut être rigolo. Pareil. Pour l'instant, c'est des essais. Je pense qu'on peut mieux faire. C'est ça que je veux dire. Oh, il est mignon le nouveau là. Il y avait de la viande hein, dans le barbecue là. Bah là on n'a pas trop. Ah, on pourrait passer par là pour choper un cœur. Allez. Et puis si vous n'êtes pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et nous rejoindre. Alors, à ce moment il est un petit peu mort, mais on est toujours là. Continuez à alimenter, mettre des news, etc. Ça vous tient au courant des lives aussi, parce qu'il y a des notifs qui pop quand un live se lance, et puis on peut discuter entre nous hors live finalement. Quand on regarde bien, je live quoi? Allez, 4 heures dans la semaine, et puis le week-end parfois je fais 2-3 heures de plus. Donc. Pas énorme pour papoter les amis. Ah, quand le mug, it's a me, Kabu. Ah, excellente idée, Augustin. Merci. Voilà, c'est ça que j'aime dans notre interaction. Et je n'y avais même pas pensé. Ouais, ça va bien, ça va bien. Bon, là, on est en pleine adolescence. Hein, adolescence, elle va faire bientôt 13 ans. Et du coup, c'est pas mal, c'est énormément porté sur les amis. Ouais. À ce moment, ce qui compte le plus dans la vie, c'est les amis. Alors, on connaît, hein, on a eu son âge. Mais du coup, c'est un petit peu moins papa-maman. Hein. Et ça fait bizarre hein, quand t'as une petite fille comme ça, tu le sais, Nico. Le papa, c'est tout. C'est toute la vie. Et puis un jour, l'enfant grandit et il découvre qu'il y a les potes aussi. Donc voilà, je prends sur moi en ce moment. Mais bon, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Donc je ne suis pas surpris. Mais voilà, il faut évoluer.
C'est pas évident. Et ça fait partie de la vie. Alors là, on est bon. Ok. Je me dis que c'est soit à gauche en haut, évidemment. Ouais, ça met un coup, ça met un coup. Bah oui, oui, oui. Bah déjà, elle vient moins de week-end. Hein, parce que bah, quand elle vient week-end, elle rate des trucs avec ses potes. De sa vision, tu vois. Donc maintenant, c'est plus qu'un week-end par mois. Et puis, il y a un peu moins de webcam, etc. Ouais, ouais, ouais. Ça fait. Ça met un coup. Ça met un coup. Alors, ça met pas un coup de vieux, mais ça met un coup au cœur. Mais en même temps, voilà. Il faut laisser. Il faut laisser, de mon point de vue, l'enfant ouvrir ses ailes. C'est juste que tu t'y attends, mais c'est jamais le. C'est toujours trop tôt pour toi, en fait, quand t'es le daron. Ah non, il se passe rien de particulier. Augustin, il me demandait, Miku, des news de ma fille. Et là, j'expliquais bah, qu'elle arrive dans l'adolescence et qu'elle se détache un peu des parents, etc. Et comme je vis pas avec, qu'on est. Bah, qu'elle vit avec sa mère, et bah, du coup, déjà, je la voyais pas énormément. Et là, je la vois encore un peu moins. Et il faut que je m'habitue au fait que, bah, qu'elle grandisse, tout simplement. Voilà de quoi on parlait, mon petit Augustin. Je sais pas si toi, t'es daron ou pas. L'ambroisie. Alors, multiplier maléfice. 10% d'infliger un coup critique. Ouais. Allez, on se prend un coup critique. Et après, il faut que jeunesse se fasse. Et c'est inquiétant aussi quand t'es un daron et que t'as une fille. Ah, le monde est tellement fou dehors là et cruel que c'est pas évident. La dernière, bah, c'est la seule et l'unique en fait. J'ai juste une fille, Augustin. Ah, j'ai vu qu'il y avait une seule. Ah, j'espère que je peux revenir en arrière. Non. On va faire d'abord désinguer tout le monde. J'avoue, je serais comme toi. Bah, il faut, hein, il faut pas. Enfin, sinon, après, tu. C'est dans la nature des choses. Après, non, il n'y a pas de souci, Augustin. Non, t'inquiète, on n'en parle pas souvent. Voilà, je vous dis de temps en temps, voilà, pas de stream ce week-end, parce que j'ai ma fille, tout ça, ou alors elle est en vacances. Mais je parle pas trop de la vie privée, évidemment. Mais bon, il y a des choses qu'on peut quand même raconter. Et oui, j'ai juste une fille, mais c'est un choix, en fait. Hein. C'est un choix. Ok, bon, on récupère un demi-cœur. C'est quoi les démarches pour les PP Switch Splatoon? On peut aller voir, si tu veux, mon petit Augustin. 8h25. 8h25, on peut aller voir. Alors. En gros, faut aller dans le Nintendo Online. Je sais pas si t'as déjà... ton profil déjà, est-ce que tu as le Nintendo Online, Augustin? Je peux vous faire un petit tuto après. C'est vrai que ça n'a pas été c'est pas très clair, c'est pas évident, mais déjà il faut au moins avoir accès au Nintendo Online. Oui, c'est ça, ouais, tu as raison, c'est pour ça que j'en dis vraiment le minimum, Augustin. Mais même sans ça, hein, même sans ça, le monde est malveillant. On gagne en dégâts, mais on perd en vitesse. Non, j'aime bien, moi, avoir mon épée. On va la recycler.
Je finis cette run, c'est-à-dire que j'éclate le boss ou je meurs, au choix. Et après, on va aller faire ça. Ouais, sur... Ah oui, sur Twitter, oui. Tout à fait. Ah, puis même elle, hein, je pense pas qu'elle a envie. Tu sais, elle aime pas trop les photos, ma fille, hein, donc c'est... Là, vous l'avez pas vu, mais si tu regardes une photo de moi et ma fille, elle fait toujours un peu la tronche. Et du coup, je pense pas qu'elle aurait voulu que je la mette sur... de mettre sa tranche sur Twitter. Les vagues de la mer ont emporté mon amour. Oui, elle a emporté mon cœur. C'est là que mon cœur restera, oui, car elle s'est endormie au fond des mers. Bienvenue, camarade. Prends quelques instants pour écouter mon histoire. Je suis à la recherche du cœur qui battait autrefois dans ma poitrine, jusqu'à ce qu'elle me le vole. Je suis assis ici tant d'années... Depuis tant d'années que j'ai oublié jusqu'à son visage. Et pourtant, je cherche toujours. Je n'arrêterai jamais. Augustin, tu es vraiment Instagram? 90% des photos, on ne me voit pas. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir ton Instagram, d'ailleurs. J'ai une douzaine de cœurs, vois-tu, mais aucun qui ne m'appartienne réellement. Si tu les veux, Emma Blagnaud, je te les offrirai. Ah ouais? Ils sont sans valeur pour moi. Je ne m'intéresse qu'au cœur qui fut jadis le mien. Ainsi, je pourrais contempler son visage une dernière fois. Soigné. Classe. Et alors, comment on fait? Oi. Bon, de toute façon, là, on est full. Hein. À moins qu'il y ait des cœurs bleus. Non. Il y a du lore sérieux dans le jeu. Bah, il y a du lore en tout cas, hein, tu vois, comme là, ce nouveau personnage qu'on rencontre, etc. Il y a une histoire au début, voilà. Après, c'est toujours un petit peu cynique. Est-ce qu'on peut dire que cynique est sérieux? Oui. Il y a de l'humour noir, tu vois, c'est... Je sais pas comment dire. Est-ce que c'est vraiment sérieux? J'ai envie de dire oui, hein, les gars, on bossait quand même sur un... sur une trame. J'ai fait sérieusement en tout cas. Bah du coup j'ai pas encore changé mon icône dans Splatoon, donc on va le faire ensemble, ça c'est cool. J'aime bien l'humour peint sans rire, cynisme et humour. Bah on est en plein dedans dans le jeu. J'aime aussi beaucoup. En fait, j'aime quand il y a de la réflexion dans le rire. C'est con, hein, parce que rire, c'est... Finalement, c'est lâcher la bride aussi. Hein. Mais je suis toujours, moi, dans la réflexion. T'as mis Roy en PP Switch? Attends, je vais te montrer après comment on fait sur l'online, tu vas voir, c'est vraiment sympa. Puis t'as des missions aussi à faire qui te permettent de gagner des points argent que tu peux utiliser, des pièces argent que tu peux utiliser après pour acheter des vrais objets. Hein. Sachant que je vous avais dit que le My Nintendo Store a bien évolué maintenant, donc c'est beaucoup plus simple et moins cher d'acheter des goodies. Ouais, c'est pas très bien indiqué sur le site, mais je vais te montrer, je vais prendre un peu plus de temps. De toute façon, on est vendredi, je peux commencer un petit peu plus tard le taf, de toute façon. Alors, en fait, je commence quand je veux et je finis quand je veux avec quand même un petit cadre autour de tout ça. Mais je m'impose des horaires, en fait, moi, depuis le début, donc c'est pour ça. Il y a aussi des horaires de stream, mais je peux déborder, il n'y a pas de problème. Alors ici, ouais, récolter... Ah, retour à la base? Ah bon? Ah, c'est pas mal ça. Ça nous arrange. Ça nous arrange parce qu'on perd pas de loot. On arrive sur la fin du live, je vais pouvoir vous montrer le...
Comment ça s'appelle? Bah, le Nintendo Online, comment on va choisir ses photos de profil un peu plus, comment on gagne des points bah, pour les obtenir, et puis surtout ça c'est éphémère. C'est-à-dire que des fois ça dure qu'une semaine, un mois, et après tu peux plus les obtenir malheureusement. Donc une fois que tu les as, tu es content. Alors si je fais plus, sauvegarder. Sauvegarde effectuée, je crois que c'est menu principal. Je vais d'abord sortir de ce menu, hop, je reviens dans le doute. Alors, je regarde si j'ai pas un vieil écran de pause, parce qu'en fait, il faut que je sorte du jeu. Et puis, il y a un jeu que je peux pas vous montrer, qui est sur la Switch pour l'instant. Donc, je regarde si j'ai un vieil écran de pause qui traîne, mais non. Hello, Bijou Fusée, bienvenue. Je suis sur la fin du live, mais on va faire un petit tuto pour les choper des pépés dans le Nintendo Switch Online qui apparaissent ensuite sur la Switch. Alors, je vous remets l'écran de démarrage, mais ne vous inquiétez pas, on est là. Le micro est toujours allumé. Oui. Alors, je vais sortir du jeu. Et on va aller donc je vais dans le Nintendo Switch Online. Hop. Transition. Me revoilà. Alors, mon petit. Non, je bosse pas chez Orange, Augustin. Perdu. Mais c'est presque ça. Donc, quand on est dans le Nintendo Online, voilà. Donc, moi, je suis abonné depuis 3 ans, 11 mois et 17 jours. Ça veut dire que je vais bientôt repasser à la caisse. Ici, vous avez les missions et récompenses. Je ne sais pas si tu avais vu, Augustin. Donc, ici, tu as les récompenses et tu peux acheter donc ce qui vont devenir tes pépés. Pour ta photo de profil, donc, ton PP. Ensuite, derrière, tu as des fonds. Tu vois, c'est écrit sur le côté. Donc, les personnages, les fonds et les cadres. Quand tu vas faire ta PP, tu pourras mettre donc un personnage, tu pourras rajouter un fond si tu le veux ou non, c'est pas obligatoire, et un cadre. Par contre, tu ne pourras pas prendre un fond de Mario, par exemple, et un cadre de Splatoon. Tu ne peux pas mélanger les genres. Nintendo n'aime pas trop ça. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir Splatoon 3. Il y a aussi les icônes de Kirby Dream Buffett. Voilà. Les icônes de Nintendo. Moi, j'ai pris la NES là-haut, tu vois, actuellement. Mais il y a aussi des icônes 8 bits, etc. Donc ce qui est grisé, c'est ce que j'ai pris. Donc ça coûte des points argent. D'accord? Donc comme Nintendo est sympa, toutes les semaines, tu peux gagner des points argent. Alors, en faisant un jeu en ligne, ça a été fait. Jouer au jeunesse. Non, ça n'a pas été fait. J'ai fait des sauvegardes dans le cloud. Et j'ai utilisé l'application Nintendo Switch Online. Voilà. Donc là, si je veux gagner des points facilement, je lance un petit Mario 3 sur l'émulateur NES. Ben, j'ai juste à le lancer et je ressors et c'est bon, c'est pris en compte. Je gagnerai 50 pièces. Et jouer un jeu en ligne, en général, je lance Tetris 99. Je fais une petite partie pour le fun et je me barre. Et ça me fait les 30 points. Et du coup, ça fait 80 points de plus. 80 points qui correspondent là, si je vais aller donc sur Splatoon 3 par exemple. Là, ça veut dire que je peux prendre 8 persos avec 80 points. C'est pas dégueulasse. Alors, j'échange mes persos. Et ça, du coup, après, je les ai à vie, Augustin. Sauf si je ne les prends pas et que dans une semaine, c'est d'ailleurs sûr, dans une semaine. On reste sur Splatoon 3, ça a été annoncé, il y aura d'autres icônes. Donc ceux-là, ils seront plus du tout disponibles, à moins qu'ils refassent des vagues dans l'année. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc là, on va prendre. Ben, je vais prendre les persos. En général, je prends tout, mais je ne vais pas vous faire perdre de temps, je reviendrai. On va se prendre un fond aussi. Voilà. Ah. Non, je ne vais pas l'utiliser maintenant. On va se prendre celui-là aussi. Donc ça, c'est toutes les semaines que ça bouge, hein. Jusqu'à maintenant, c'était du Xeno le vendredi. Et puis là, bah, ils ont décidé de faire le Splatoon. Je prends un cadre ou deux. Voilà. D'ailleurs, ce cadre va avec ce fond qu'on n'a pas encore pris.
Ah, ma PP Twitch, non, c'est pas du tout un hommage à Code Lyoko. C'est, j'avais demandé à une amie de me faire un avatar qui me ressemble. Voilà. Donc, je lui ai envoyé une photo de moi et puis elle a fait ça. On a discuté, puis après, on s'est mis une petite allure japonaise, tout ça, pour rester dans le thème. Mais pas du tout, non. Alors, une fois qu'on a récupéré nos récompenses, on peut revenir à volonté. En fait, il faut aller en haut, là, dans le online, là où tu as ton, le prix, le, la description de ton abonnement, etc. Et là, tu appuies sur A, Augustin. Et à partir de là, tu as tous les icônes que tu as déjà créées. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai faits, que je peux réutiliser quand je veux. Et après, je suis où là? Et après, je peux créer un nouvel icône. Voilà. Donc on va aller dans Splatoon 3. Donc on se prend un perso. Alors, il t'en propose déjà des tout faits, sinon tu le crées toi-même. Alors, personnage. Hop. Allez. Celui-là, par exemple. Je choisis un fond. Et un cadre. Je fais OK. Voilà. Et tu vois que là-haut, maintenant, est dans. Dans mon profil Switch, etc. C'est ça qui va apparaître, tout simplement. Voilà mon petit Augustin. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live. On arrive sur la fin. Bah j'espère que ce tuto aura servi si vous ne connaissiez pas. Et puis Augustin, maintenant, tu vas pouvoir faire une belle pépée. Pour vous montrer un petit peu quand même ce que j'avais gratté depuis que c'est sorti. Donc j'ai fait du Xeno là quand c'est sorti. Bon vendredi bijou, merci d'être passé en tout cas. Désolé, t'arrives sur la fin. Donc j'avais fait du Xeno ces derniers temps. Ça c'est du Mario Odyssey, mais c'était vraiment pour faire le la PP la plus pourrie qu'on pouvait faire. Donc j'ai pris vraiment des couleurs dégueulasses et tout. Du Mario, du et puis du Breath of the Wild au début. J'ai fait encore du Mario, du Splatoon 2. J'ai même fait un petit Goomba. Hop, on retourne sur. Donc ça, c'est ça a déboulé aujourd'hui. Hein. Les emotes et les décors et les cadres. Splatoon 3. Bah justement, surtout pour Splatoon 3, à midi et demi, je vous fais des bisous, des checks. Merci d'avoir été là. Courage, courage à tous ceux qui vont taffer. Courage à Nico. Je sais que tu taffes ce week-end, du coup, en plus de nuit. Donc sois fort. Éclate-toi bien en attendant sur Xenoblade 3, parce que c'est une tuerie. Augustin, bonne journée Gunther, si t'as encore une oreille qui traîne. On fait des bisous à Kimi, Sonia, si elle regarde la fin de la VOD, parce qu'elles étaient là en début de live. Et puis un gros gros check au poteau Miku 42. Je sais pas quand tu relives, mais en tout cas je surveille un petit peu sur ton Discord, mais je peux pas tout le temps y aller et j'ai pas les pop-up. Donc ça m'arrive de rater des lives, malheureusement. Rendez-vous à midi et demi pour Splatoon 3, et puis on s'envoie un petit générique, tranquillou. Bye bye!